Nous accueillons des personnes âgées qui présentent une maladie Alzheimer ou une maladie qui se rapproche. Donc ce sont des personnes qui souffrent de troubles de la mémoire et parfois de troubles du comportement. C'est des personnes qui n'ont pas forcément envie de venir, qui ne savent pas ce que c'est qu'un accueil de jour, qui viennent parce que les enfants les ont amenés jusque-là. Je dirais qu'un accueil de jour, c'est prendre le pari de concilier deux objectifs. Le premier, c'est préserver et maintenir le maximum des capacités restantes de ces personnes qui ont des troubles cognitifs la plupart du temps. Mais c'est également de les accueillir dans un contexte familial avec une relation humaine qui soit prépondérante. Donc on n'est pas dans du soin classique, mais on est dans le soin au sens large apporté à la personne pour lui permettre de continuer à s'intéresser à la vie, à cultiver la relation à l'autre, travailler sur les capacités physiques qui restent. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un lieu convivial où on peut discuter, que les personnes se sentent bien. Pour les personnes qui ont des troubles de la mémoire, c'est vraiment très très important de stimuler cette mémoire, puisqu'en fait, la grande perte qu'ils ont, c'est la perte de l'image de soi et perte bien sûr de leurs facultés cognitives en grande partie. Le projet LandArt a démarré par un contact avec le plasticien José Caro. C'était une première pour lui et pour nous aussi. Je suis plus spécialisé dans des interventions dans les écoles, donc les petits enfants. Et du coup, je savais pas trop comment aborder le LandArt avec les personnes âgées. Après, ça s'est débloqué, c'est devenu simple. Pourquoi ? Parce que je les ai pris comme des grands enfants, tout simplement. Et petit à petit, à force de venir, il a appris à les connaître. Et ensuite, les ateliers se sont mis en place. Donc c'était soit nous qui en mions des choses de notre jardin, ou on allait aussi cueillir des fleurs dans le parc qui se trouve pas loin de l'accueil de jour. L'objectif de l'atelier, c'était que les personnes se rendent compte que finalement, il fallait peu de choses pour créer. Je travaille énormément sur les connexions, donc les connexions que ce soit humaines ou naturelles. Et donc je voulais aussi établir cette connexion entre la nature et les personnes âgées. Après l'atelier LandArt, moi j'y vois un bénéfice dans le sens où c'est des personnes qui ont effectivement travaillé la terre, des personnes qui en fait n'avaient pas de jouets. Donc eux, leur jouet c'était de fabriquer des petites choses avec du rien. C'était des personnes qui étaient toutes fils ou filles d'agriculteurs. Et puis le toucher, c'est des personnes très sensorielles. Il y a une dame qui se souvenait que quand elle était enfant, elle allait dans les champs et puis récupérer ses épis de maïs. D'autres qui gardaient les vaches et qui prenaient justement ce qu'ils trouvaient dans la nature et puis faisaient des jouets. On peut créer par exemple des bouquets de fleurs ou des animaux à partir de fleurs, de plantes, d'arbres et ça les éveille à ceux qu'ils ont pu connaître, peut-être dans leur enfance, donc c'est vrai qu'on peut remonter très très loin. Au début, on n'avait pas pensé prendre les photos. Mais moi, j'aime bien la photographie, donc je voulais garder une trace. Parce que bon, comme les personnes ont un problème de mémoire, elles auraient oublié très vite ce qu'elles avaient fait. C'est de là qu'est partie l'idée de l'exposition photo. Donc on a pensé que ça serait bien que cette exposition soit diffusée dans toutes les médiathèques, dans les communes où habitent les personnes, pour que justement leurs familles, leurs amis se rendent compte de tout le potentiel qu'ont encore ces personnes. On les a pris en photo, on les a félicités, ils ont fait venir leurs enfants. Ça a pris de l'ampleur pour eux. Et du coup, oui, ils deviennent des gens compétents, ils deviennent des gens admirables. Que voir une caméra quand on a 92 ans, c'est excellent, quoi. C'est génial, c'est une première pour certains. Donc les premières à cet âge-là, on les prend. Il y a beaucoup de souvenirs lointains qui sont remontés à la surface chez les personnes âgées. Et donc ça m'a touché énormément. Et les personnes âgées aussi étaient vraiment touchées par ces séances car ils avaient les larmes aux yeux tellement l'émotion était forte de voir leur réalisation. On a fait l'exposition, il y a eu quand même la presse qui est venue, donc ça a été une fierté pour elles de voir qu'elles avaient réussi à faire des choses. Ça permet de renouveler les activités qui sont mises en place et aussi de laisser s'exprimer spontanément et librement les personnes âgées dont on ne soupçonne pas toutes les capacités. Les personnes qui ont des troubles de la mémoire ont besoin d'être valorisées, tant par des ateliers pratiques, physiques, que des ateliers cognitifs. Donc il faut vraiment les stimuler.
On a plutôt un regard déficitaire sur cette maladie et de voir le plaisir qu'elles ont à créer ensemble, à être réunies sur un projet. Pour montrer un petit peu au public qu'il ne faut pas avoir peur de cette maladie. Les gens ont encore des choses à dire et c'est bien de les écouter. Donc on essaie de travailler sur ces émotions assez fortes qui sont un peu à l'intérieur. J'essaie juste de les ouvrir comme des fleurs en fin de compte.